Bonjour et bienvenue à tous dans ce premier épisode de Un peu de science, la science utile, qui sera consacrée aujourd'hui à l'être humain et son alimentation. Alors quel est le but de cette chaîne, que je vous explique déjà au départ, quelle est l'intention des vidéos pour savoir si ça vous intéressera ou pas. Le but des vidéos va être très simple, c'est tout simplement de vous expliquer des choses en science, qui sont compréhensibles par tous et par toutes, même par moi, même dû à mon âge. Ce seront des sujets quand même relativement intéressants, des petites choses qui sont pratiques à ressortir en soirée, qui peuvent vous rendre un petit côté ouais, de personnes possédant une certaine culture générale. Et je pense que ça peut plaire à ceux qui ont quand même un certain esprit scientifique et qui ont toujours envie d'avoir de petites anecdotes. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, nous allons parler de l'être humain et de son alimentation. Pourquoi ce sujet? Alors c'est très simple, moi j'ai toujours pensé, comme on m'a toujours dit, que l'humain avait besoin de manger du lait, manger de la viande, et que l'humain était un omnivore. Et bah sachez que c'est complètement faux. L'humain n'est pas omnivore, et le terme omnivore en lui-même ne veut pas dire grand-chose. En effet, l'humain est un herbivore. Et ouais, c'est compliqué à se dire, mais pourtant c'est vrai. L'être humain a un estomac d'herbivore. Comparé à un estomac de chien, vous me direz, c'est pas le même corps. Effectivement, nous ne sommes pas complètement identiques du chien à l'humain. Mais nous n'avons pas d'exemple assez proche, tel que le singe qui soit carnivore, pour illustrer les exemples. Je vous montrerai donc, si le montage fonctionne bien, vous verrez deux intestins de comparaison entre un animal carnivore et un être humain. Et vous remarquerez quelques différences. Notre système digestif, comme vous pouvez donc le remarquer, est fait pour tout ce qui est plantes et végétaux. Et là, vous allez me dire, oui, mais alors pourquoi les pubs, pourquoi est-ce qu'il faut manger de la viande, manger du lait, etc. Ça, nous reviendra en fin de vidéo, ce sera un sujet plutôt politique, plutôt que scientifique, donc je préfère aborder le côté scientifique d'abord. Pour vous illustrer ma théorie et mon exemple, sachez qu'un gorille adulte pèse quand même en moyenne 200 kg. Vous allez vous dire, oui, c'est énorme, etc. Je pense honnêtement qu'un gorille, si vous vous battez contre lui, vous mettra une sacrée rouste. Et ce gorille ne mange pas de viande de toute sa vie. Ce gorille va manger des racines, va manger des bananes, va manger beaucoup de plantes, sans jamais manger de viande, et pourtant, il aura une sacrée masse musculaire, comme beaucoup d'herbivores. Du coup, d'après ce premier exemple, on peut en conclure qu'effectivement, les singes, qui sont quand même très proches des hommes génétiquement, ne sont pas carnivores, et ont pourtant une certaine masse musculaire. Pour le lait, pour la petite anecdote, sachez qu'en Asie, il y a un très fort taux d'intolérance au lactose. En effet, pour digérer le lactose, donc qui est un principal composant du lait, il faut une certaine enzyme appelée la bêta-lactase qui permet de transformer ce lait en lactose et en d'autres produits. Les Asiatiques, n'étant pas habitués à boire du lait, ne le possèdent pas et ont du coup cette intolérance au lactose qu'on retrouve parfois en Europe mais assez rarement. En Europe, nous avons peu d'intolérance au lactose comparé à d'autres pays tels que les pays asiatiques car nous avons toujours eu l'habitude de boire du lait. Et comme vous le savez, à moins que vous soyez un conspirationniste et un créationniste, la théorie de l'évolution, si vous la considérez comme valable, vous dit que tout être vivant évoluera dans le côté positif. C'est pour ça que les Européens peuvent aujourd'hui boire du lait, car nous avons toujours pris cette habitude, et au final notre corps a développé des enzymes, la bêta-lactase, capables de digérer le lait, comparé à nos voisins asiatiques qui, eux, ne peuvent pas, car non habitués à boire du lait depuis leur tendre enfance, n'ont pas cette enzyme. Je ne m'étendrai pas sur les dégâts de tout ce qui est intolérance au lactose, vous pouvez chercher par vous-même, il n'y a aucun souci. Donc comme vous pouvez le comprendre, c'est quand même étrange que l'humain, il ne boit du lait alors qu'il n'est pas censé pouvoir au niveau des enzymes, il mange de la viande, et pourtant, on n'en meurt pas. Ah oui, je tiens à préciser, le lait, ça permet quand même de passer en 3 mois, un veau, il boit du lait, et en 3 mois, il passe quand même de 10 kg à une petite centaine de kilos, donc effectivement, c'est quand même plutôt utile. Le lait maternel, nous pouvons en boire quand nous avons dès le début des enzymes pour le digérer. Pareil pour tout ce qui est sucre lent, sucre rapide, tout ce que nous fabriquons aujourd'hui dans l'industrie, tels que les bonbons et autres chocolats, qui ne sont pas du tout naturels et que l'humain n'est pas censé manger. Dans la nature, vous donnez des bonbons, des dragibus par exemple, un singe ou un raton laveur, je ne pense pas qu'il les mangera, et s'il les mange, il aura de sacrés soucis de digestion. Aujourd'hui, nous produisons de plus en plus de produits mauvais pour la santé, et cela induit forcément un taux d'obésité grandissant. Je ne m'étendrai pas, je ne suis pas médecin, je ne suis pas là pour faire un cours sur l'obésité, je vous indique juste tout ce qu'on vous a raconté qui est faux. Et donc là, vous allez me dire, oui, mais du coup, tu nous dis que tout ça n'est pas comestible, n'est pas mangeable. Soit, mais pourtant, nous le faisons quand même. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on nous ment? Pourquoi est-ce qu'on nous met des pubs, comme quoi le lait c'est bon dans les années 2000 ou que sais-je? C'est très simple.
Vous savez, toutes les marques que vous mangez sont en fait regroupées sous 5 grandes marques, 5 grandes multinationales. Ces multinationales contrôlent les aliments et les produits. Vous allez me dire, oui, mais alors quand j'achète Nestlé, quand j'achète Yoplait, j'achète 2 marques différentes. Oui, mais ces 2 marques appartiennent à la même multinationale. Et ces multinationales, évidemment, n'ont qu'une seule idée en tête, se faire du fric. Plein de fric. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils vous mentent. Effectivement, nous pouvons manger du lait, nous pouvons manger de la viande, mais nous n'en avons pas besoin pour vivre. Les gens qui traitent les végétariens de végétaliens, de personnes complètement sensées, qui ne font rien dans leur vie, ont totalement tort. Ces gens-là ont compris la vie. Nous pouvons manger juste des légumes et des fruits, des plantes, et dans toutes ces plantes, il y a largement de quoi subvenir à nos besoins. Le souci des carences est une autre histoire, mais cela dépend plutôt du codage génétique des personnes, et nous ne sommes pas égaux à la base. Voilà, en espérant que cette première vidéo vous a plu, j'ai essayé, pour résumer, synthétiser, je vous ai montré que l'humain n'était pas nécessairement un omnivore, qu'il n'avait pas besoin de manger tout ce qu'on nous dit de manger, et que juste avec des plantes, des légumes et des fruits, vous pouvez vivre tranquillement et sainement. Voilà, en espérant que cette première vidéo vous a plu, c'était un peu amateur, j'en conviens, et si vous avez des sujets que vous aimeriez que je traite, tout en restant assez simple pour que le plus grand nombre puisse comprendre si possible, parce que je me doute bien qu'il y en aura dans les commentaires qui me corrigeront et qui me diront « Ah non, moi j'ai vu ça », avec grand plaisir, je ferai des mises au point sur mes vidéos. Si j'ai lu des commentaires vraiment intéressants qui me contredisent, j'essaierai d'analyser, de faire mes propres recherches et de remettre à jour la vidéo en faisant une nouvelle. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu, commentez tout en restant poli s'il vous plaît dans les commentaires, nous pouvons être en désaccord, mais restons polis entre nous. J'essaierai de répondre au plus grand nombre, en espérant que cette vidéo vous a plu. C'était Joe La Science et je vous dis... à la prochaine.